Je vous appelle à la barre de ce tribunal ce matin parce que le tribunal a constaté que vos conseils ne sont pas là, ne sont pas présents dans la salle. Et le tribunal ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc c'est pourquoi le tribunal vous appelle à la barre de ce tribunal pour vous demander individuellement si vous savez pourquoi vos conseils ne sont pas là. Et ce quitte, je commence par vous. Voilà, passez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y, oui. Monsieur le Président. Allô? Allez-y, oui. Particulièrement concernant ces questions, je ne sais pas pourquoi les conseils ne sont pas là. Alors, vous ne savez pas où. Passez le micro à M. Camara. Monsieur le Président, avec votre permission, il faut être très sincère et honnête quand vous posez cette question. Il n'est pas sans savoir que lorsque vous avez des avocats ou des conseils ou un avocat, que vous n'êtes pas sans savoir de savoir leur position. En ce qui concerne mes conseils, il m'a fait comprendre que par rapport à toutes ces discussions qui se sont passées et qu'ils attendaient, je crois, une notification qui pouvait provenir soit du procureur pour leur demander effectivement de venir à l'assise. Alors donc, puisque n'étant pas professionnel, alors je n'ai pas cherché tellement à discuter avec eux, sans compter que vraiment la situation réellement me dépasse. Et avec votre indulgence, je vous prie de bien vouloir nous accorder ce temps afin qu'on puisse rentrer en contact avec eux pour leur demander réellement qu'ils veuillent bien accepter de venir à l'audience, Monsieur le Président. J'en ai fini. Donc, vous, vos conseils vous ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification pour être à l'audience d'aujourd'hui. Voilà, la notification, comme quoi, bon, c'est certainement le procureur qui devrait le tenir officiellement. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont dit. Mais puisque je ne connais pas les détails et je ne suis pas aussi professionnel en la matière. C'est bon, on vous comprend, M. Camara. C'est compris. Passez le micro à M. Guilavogui. Monsieur le Président, moi je n'ai rien à dire. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi vos conseils ne sont pas là? Bon, moi je ne sais rien. D'accord. Monsieur Goumou. Monsieur le Président, hier même, avant-hier, mon avocat est venu me rencontrer. Moi je lui ai donné mon impression. Je lui ai dit de tout faire pour venir prendre part à cette audience. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait essayer de contacter les autres pour qu'ils puissent venir ensemble. Mais je suis surpris de ne pas les voir ici. C'est pourquoi moi-même, j'avais voulu, en toute honnêteté, lever mon petit doigt pour vous dire de nous accorder la journée d'aujourd'hui et de demain pour qu'on puisse les faire venir, qu'ils nous disent réellement de quoi il s'agit, pourquoi ils ne viennent pas. Parce que c'est nous qui souffrons. On ne peut pas tout dire, Monsieur le Président. On ne peut pas tout dire. Franchement. C'est compris. Voilà. Sûrement, moi, j'aurais dit à mon avocat de venir. Monsieur Camara. Oui, bon, Monsieur le Président. Alors, comme l'a dit mon confrère Colonel Blaise, effectivement, depuis avant-hier, nous sommes là-dessus, discuter avec les avocats. Mais on ne sait pas précisément quel est le point modal qui fait que ces avocats se sont absentés. Certes, ils ont leur raison, mais comme ils l'ont dit, franchement, nous souffrons.
ça ne faut pas le plus que nous souffrons aujourd'hui ici, en préférément passer toute la journée. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes là pour des faits. On est en train de juger ces faits. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le fond, nous sommes sur le fond. On est en train de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que nous sort. Qu'on soit accusé, qu'on soit coupable ou quoi, pour le moment, le débat continue. Et depuis autrefois, ça fait un mois, depuis le premier, nous qu'au 20, on était en repos, en renvoi, qui a abouti à un débat que vous avez suivi ici, un débat très houleux entre professionnels de droit. Mais tout ça là, c'est à l'avantage de qui? Ou à des avantages de qui? C'est nous qui souffrons. Vous êtes là, tranquille, on vous voit, tranquille, mais nous nous souffrons. Les autres qui discutent, tout est bon. On veut savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Il faut que nous sortions ici. Nous, ceux qui doivent sortir, quittent ici. En réalité, nous souffrons, la famille souffre, tout le monde souffre avec nous. Vous voyez, moi, je ne suis jamais gros, mais encore, j'ai encore beaucoup fondu. Ce n'est pas parce que je pense à ça, mais je me dis pourquoi ces renvois. Et ces renvois sont à juste titre. Quand il y a un problème, il faut régler. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion. Moi, j'avais dit à Blaise que je vais, que vous demandiez ou pas, mais j'ai dit à lever les doigts pour dire franchement qu'il faut que vous nous aidiez. Il faut que les discussions soient prises, pour que les gens se comprennent entre eux. Les partis là, tous ici, nous sommes entre Guinéens. On a servi le pays comme vous autres, à un moment donné. Et on continue à penser et servir ce pays, que ce soit maintenant dans notre fonction ou pas. Mais le temps mis déjà nous a traînés dans beaucoup de choses. Lui et moi, nous sommes déjà à la retraite anticipée pour des faits qu'on n'a pas commis. Tout ça là dépend de quoi. On était dans une maison que vous connaissez, le procureur sait. Un jour, il y a un félé qui est venu nous déranger, tirer sur notre porte, nous faire sortir. Heureusement qu'on s'est débrouillé pour descendre et revenir. Tout ça là, pour que, à suffisance, que nous souffrons. Et nos familles souffrent comme ça au même moment que nous. Nos communautés souffrent, la Guinée même souffre, parce que la Guinée veut voir tout ça là, la fin, pour que nous puissions aller enfin à la réconciliation, pour que nous puissions aller enfin au développement de ce pays. On ne va pas passer tout notre temps derrière les barreaux. C'est pourquoi je le recommande, ça ne nous dérange pas, parce que chacun sait ce qu'il a fait. Mais il faut finir, il faut aller jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce que le président va dire comme décision. Mais si tous les jours c'est le report, c'est au profit de qui? Pas nous. Moi je suis fatigué de me coucher, je suis fatigué de voir tout ça. L'avocat m'a dit, même ce matin, jusqu'à une heure, il est, je pense qu'il m'a dit qu'il va, hier, madame était venue en pleurant. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En toi, des avocats, ils ne viennent pas, mais qui t'a été venu me voir hier? Il m'a dit qu'ils vont continuer jusqu'à 0h et que ce matin, lui, devait être là. Il est le premier souvent ici. Quand il n'est pas vu, alors j'étais pas à l'aise. Keta m'a dit ça, il m'a promis ça hier. Que jusqu'à hier, au moment qu'il quittait ce moment ici, ils étaient en pourparler. Pourquoi réellement? C'est eux qui savent, c'est les professionnels comme vous, comme les autres. Moi, je voudrais que vous nous aidiez pour que ce qui demande soit fait dans les deux aussi, pour que nous sortions de ça maintenant. Parce qu'en réalité, nous souffrons et nous continuons à souffrir, moralement et même physiquement. Parce qu'en réalité, personne n'aime la prison. Et c'est vrai, personne n'aime. On veut encore servir le pays, mais nous savons qu'aller au village faire les buts de patates. C'est encore mieux que se coucher dans une prison comme ça, à tort. Pour moi, je dis à tort. Parce qu'un prisonnier qui le dit à tort, qu'on le fait tout à tort. Donc, une fois encore, je voulais encore vous remercier de nous avoir vraiment donné l'opportunité de dire ce que nous avons l'impression par rapport à cet état de fait qui est en train de nous torturer moralement. Donc, les avocats ne sont pas venus fraîchement. C'est un vide qui nous touche. Mais nous voudrions que vous le compreniez, qu'ils vous comprennent et que nous sortions de là. Je vous remercie. Oui, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. Merci, l'ensemble de la Cour. Pratiquement, en ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi mes conseillers ne sont pas là. Parce que depuis presque un an, 6 mois maintenant que nous souffrons, sept mois que nous souffrons. Donc, pratiquement, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas présentés aujourd'hui. Suite, n'est-ce pas, à tout ce qui s'est passé ici, comme parole, je ne peux dire plus que ça, Monsieur le Président.
Merci. Monsieur Guilaoui. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir encore donné la parole de s'exprimer sur l'absence de mes avocats. Étant profane, ne pas être juriste, j'ai pris des avocats pour ma défense. Mais arrivé à un moment donné, on a parlé de requalification. Et cette requalification a abouti ici à un grand débat, plus de 3 jours. Et les avocats unanimes ont fait recours à votre décision. Et le recours a été, je ne sais pas, entendu que ça a été rejeté. Et ce matin, on nous a dit de venir. Et nous, nous sommes dans l'enclos. Si on vient nous chercher. Oui. Vérifiez des vertiges. J'envoie une chaise pour lui. Si on vient nous chercher, on est obligé. On vous envoie de l'eau. Ça va passer. On est obligé. Veillez sur lui, hein. Des gardes. Restez assis. Veillez sur lui. Mm-hmm. On est obligé de venir. Mais moi, je n'ai. Allez-y. Je n'ai rien à reprocher sur l'absence de mes avocats. S'il y a souffrance, je suis peut-être le plus souffrant. Je suis dans mes 14e année. Mais au lieu d'aller plus vite, avoir un mauvais résultat et partir sûrement avoir un bon résultat, qu'est-ce qu'il faut? Étant profane, je ne peux que suivre les avocats qui sont professionnels, qui ont fait le droit, suivre ceux qui sont en train d'entamer pour ma défense, Monsieur le Président. Vous avez la latitude et vous êtes la police de ce tribunal. Moi, je lance un appel au tribunal pour trouver un consensus afin que ce procès puisse terminer dans la paix et que chaque Guinéen puisse se saluer. Et s'il faut, comme on entend souvent, une réconciliation digne de nom. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez parler. Asseyez-vous. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Franchement, moi, je suis surpris de ne pas voir mon avocat ici ce matin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous nos avocats, tous les avocats de la défense, pour qu'ils viennent, pour qu'on continue le procès. Ça ne rime à rien de, je crois, de bouder le procès, parce que nous sommes là pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Abba. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et surtout, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup avec la sagesse que vous détenez, que Dieu a mis en vous, et avec tous vos assesseurs et le ministère public. Et la défense. Moi-même, je suis surpris pourquoi je n'ai pas vu mon avocat ce matin ici. Parce que je l'ai dit, de tout ce que nous faisons, moi, parmi tous les accusés, je suis le plus ancien détenu à la meilleure centrale. Je suis à ma 16e année détenu en prison. Je dis donc, Dieu a fait que vraiment qu'on nous a mis devant le fer pour qu'on puisse aller au jugement, pour que nous puissions reconnaître nos sorts. Donc, un jour, il y a un des avocats de la défense même nous a défendu en disant que oui, ayez pitié de vos clients qui sont en train de souffrir depuis
combien d'années? Donc, nous demandons réellement, même ce matin, c'est ce que nous disions entre nous. On dit, ah, nous tous, nous devions encore parler de tous nos avocats, de venir assister le débat pour qu'on puisse affiner à cette situation. Donc, réellement, quand vous nous donnez la parole ce matin, nous vous disions merci, parce que nous ne connaissions pas réellement la loi, le contenu de la loi. Mais on les a suppliés de venir pour qu'on puisse finir réellement ce débat. Parce que nous sommes réellement souffrants. Nous sommes des pères de famille. Nos enfants sont dehors. Nos femmes sont dehors. Ils ont besoin vraiment de leur éducation. Mais ce n'est pas la peine seulement que nous soyons toujours coussés, assis sur le même lieu et que vraiment le débat qu'on a continué, ça ne prend pas fin. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé ce matin cette parole et à votre sagesse. Nous vous en supplions, comme nos confrères nous ont parlé, nous allons les appeler aujourd'hui pour qu'ils puissent venir et vraiment vous assister et vraiment qu'on puisse finir avec le débat. Donc moi, je suis étonné pourquoi il n'est pas venu. Parce que je leur dis, ah, vous voyez comment ton client a souffert en prison. Donc ce n'est pas la peine que tu restes. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Merci.